Yo les potes, nouvelle boutique, les défis de TNTina vont arriver très vite sur ma chaîne. Ils sont déjà sortis, mais malheureusement, je suis en cours, etc. Donc je vais tous les faire sur ma chaîne comme d'habitude. Donc voilà, je vous préviens en avance. Le petit corbeau au prix de 2000 V-Bucks que je possède parce que c'est un classique. Ravage au prix de 2000 V-Bucks aussi, avec une traînée en plus. Le petit pioche bec de fer au prix de 800. Et le planeur à mauvais augure au prix de 800. On reste ensemble, il est plutôt stylé, mais trop connu. Le petit... Comment? Frelon de cuivre au prix de 2500 V-Bucks. Le petit méga point au prix de 1200 V-Bucks. Alors, dommage qu'il soit un petit peu cher parce que sinon il est plutôt pas mal. Et le revêtement frelon qui est dégoulasse. Tsuki aussi, je l'oublie tout le temps. Au prix de 1200 V-Bucks que je possède. Pardon. La petite pioche masse fluo au prix de 1500 V-Bucks. Le petit planeur au prix de 1200 V-Bucks qui est arrivé en saison 7. Terreur fluo au prix de 1200 et... Mitrailleur fluo qui a le petit sac à dos, malheureusement, qui n'est pas avec Terreur fluo. 1500 V-Bucks. Ensuite, le petit skin va-nu-pieds, donc un skin pieds nus, qui me fait extrêmement penser à Maya. Dites-moi ce que vous en pensez. 1200 V-Bucks. Le petit skin fléchette que j'ai envie d'acheter au prix de 800 V-Bucks, surtout cette custom. Oh, je vais réfléchir, je vais réfléchir. Bâton luisant au prix de 800 V-Bucks. L'émote Rage Kit au prix de 200 V-Bucks. Elle revient tout le temps parce que Epic Games sait qu'ils peuvent faire de l'argent. Tonus Massinal, donc nouvelle emote, 500 V-Bucks. Pas ouf en vrai, pas ouf. Et la Ventouse Ninja au prix de 800 V-Bucks. Du coup, c'est tout pour cette boutique. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner et pensez au code créateur NSQ dans la boutique. Allez, ciao!